moment de la pause, je parlais de la présence du colonel Moussa Thiébourou Camara au stade dans le cadre du maintien d'ordre qui a été révélé par l'un des accusés, le colonel Claude Pivi, et l'un des commissaires. Il s'agissait du commissaire Mamadi Kourouma, paix à son âme, le commissaire central par intérim de Dixine. À présent, je vais vous parler de la présence du colonel Moussa Thiébourou Camara au stade au même moment que les Bérets Rouges. Suivant le procès verbal d'audition des témoins en date du 10 juin 2010, côte 950, M. Mohamed Alpha Barry, étudiant demeurant à Tougiwonde à l'époque, déclarait devant le pôle des juges d'instruction ce qui suit. Étant à l'intérieur du stade, nous avons fait deux racates en chantant comme quoi nous ne voulons plus la candidature de Dadis. Quelques instants, j'ai décidé de monter à la tribune. Soudain, nous avions aperçu en première position un groupe de Bérets Rouges. En seconde position, le groupe des gens de la CMIS qui lançait des gaz lacrymogènes. En troisième position, les éléments de Thiébourou. Je suppose, Monsieur le Président, que les éléments du colonel Thiébourou ne pouvaient pas rentrer au stade au même moment que les Bérets Rouges en l'absence de leur colonel, de leur commandant. Ensuite, sur la menace proférée par le colonel Moussa Thiébourou Camara et son passage à l'acte consistant à tirer et à ordonner de tirer sur la foule. Suivant PV d'audition de parti civil, côte 1046, en date du 5 septembre 2012, Madame Fatoumata Binta Diallo déclarait devant le pôle des juges d'instruction, citation, « Après que le colonel Thiébourou nous a dit deux fois de nous retourner et nous nous sommes opposés, il a dit que tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. » Première menace. À l'audience du 8 mai 2023, M. Abdourahman Ba déclarait devant ce tribunal avoir vu le colonel Moussa Thiébourou avec un contingent de gendarmes venir vers les leaders politiques en faisant des tirs de sommation devant le portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il a menacé en disant « Ne partez pas au stade. Si vous y allez, ne soyez pas surpris de ce que vous aurez là-bas. » Il poursuit. Étant à l'intérieur de la pelouse, le colonel Moussa Thiébourou Camara a ordonné de laisser entrer les leaders politiques et de tirer sur les autres. C'est là où je parle de l'ordre de tirer. Suivant procès verbal d'audition de parti civil côte 1129, en date du 5 décembre 2012, M. Elhaj Ibrahim Barry, mécanicien, demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclarait au pôle des juges d'instruction sur interpellation réponse ce qui suit. Cependant, j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD et le président d'Addis, les deux assis dans une pick-up. Mais je ne peux pas le confirmer. Quant à Thiébourou, il nous a menacé en ces termes. Vous allez le regretter. À l'audience du 3 mai 2023, M. Talatou Garanke Diallo déclarait à la barre de ce tribunal que le colonel Thiébourou a menacé en disant que si les gens ne quittaient pas, ils vont les massacrer tous et arrêter leurs leaders. Sur PV d'audition de parti civil, côte 916, en date du 29 avril 2010, Mme Oumou Barry, secrétaire domiciliée à Amdallaï Konkasseur, déclarait au pôle des juges d'instruction ce qui suit. Au niveau de la Fondis, suite à une longue discussion avec les leaders politiques, le colonel Moussa Thiébourou Camara a déclaré ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y.
mais les conséquences, vous allez en tirer. Peu après, la troupe du colonel Moussa Tcheburu Camara est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène et en tirant des balles réelles. Ils ont abattu deux personnes, deux jeunes qui ont été embarqués dans un camion par les gendarmes. À l'audience du 9 mai 2023, M. Aldjuma Diallo déclarait devant ce tribunal qu'en répondant à l'appel de Toumba, dès notre entrée à la pelouse, colonel Moussa Tcheburu Camara nous a bloqués et disait « Dalin, je ne t'avais pas dit de reporter la manifestation. Tout ce que tu auras ici, tu l'auras cherché. » C'est là qu'ils ont balayé El Selou et ont commencé à le rouer des coups. Quand j'ai essayé de le relever, ils m'ont roué des coups. J'ai perdu deux dents et j'ai perdu connaissance. Et enfin, suivant le PV d'audition de parti civil Côte 857, en date du 16 mars 2010, Mme Mariama Diallo, couturière demeurant à Hamdallaï, déclarait au pôle des juges d'instruction en répondant à une de leurs questions, ce qui suit. Je dois souligner que quand j'ai quitté la tribune pour courir vers la pelouse, le ministre Tcheburu était là avec ses gendarmes en train de tirer sur les gens qui couraient sur la tribune. Donc, Monsieur le Président, selon ces parties civiles, les différentes déclarations qu'elles ont faites, le colonel Moussa Tcheburu Camara était bel et bien au stade du 28 septembre, au même moment que les bérets rouges. Il a non seulement menacé, et vous avez constaté que les menaces ont été réitérées à plusieurs reprises avant de passer à l'acte, c'est-à-dire procéder à des tirs qui ont occasionné des morts. Arrestation illégale, séquestration, coups et blessures et torture. À l'audience du 18 octobre 2023, Monsieur Lamine Camara, parti civil, déclarait, citation, le 28 septembre 2009, j'ai constaté la présence d'un bus à bord duquel il y avait des hommes habillés en maillot de foot, calmes et silencieux. Les occupants de chaque pick-up souhaitaient recevoir les personnes arrêtées. Ah oui, parce que chacun devrait rendre compte. Donc, il fallait faire courir vers les personnes arrêtées pour remplir ces pick-up. J'ai été arrêté et placé dans une pick-up de la gendarmerie et conduite à l'écho numéro 1 de Kaloum. C'est le colonel Tcheburu qui a ordonné mon arrestation. Ils ont commencé à nous frapper au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, jusqu'à destination. Le chef de poste nous a placés en centaines dans une cellule qui ne peut pas prendre plus de 20 personnes. Il a fallu un certain Damaro pour nous sortir dans cette cellule. C'est aux environs de 12 heures qu'on nous a informé qu'il y a eu massacre au stade. Beaucoup de personnes ensanglantées ont été déposées à l'écho numéro 1. Ce n'est que le soir, sur intervention de Damaro, que l'état-major de la gendarmerie a ordonné notre libération. Il nous a restitué tous nos objets. Personne n'a travaillé au 28 septembre mieux que le colonel Moussa Tcheburu Camara. Ça, c'est sa remarque, Monsieur le Président. Ça veut dire qu'il était au four et au moulin. Les gendarmes et civils ont tous travaillé pour le colonel Tcheburu de 8h à 10h. Ils ont tous démontré qu'ils sont à sa disposition. Lui, c'est en ce moment qu'il a été arrêté, dans les environs de 10 heures. Mais il s'est rendu compte que tous les gendarmes ont travaillé au service du colonel Moussa Tcheburu Camara et à sa satisfaction. Sur procès verbal d'audition de parti civil en date du 9 juin 2010, M. Ablaye Diouma Diallo, agent technique TV, demeurant au quartier Kosa à l'époque, déclarait devant le pôle des juges d'instruction, citation, après avoir été arrêté au stade, embarqué dans un camion militaire, puis transféré dans une Toyota Land Cruiser avec d'autres personnes, nous avons été déportés au camp Alpha Air, où
nous avons été descendus devant la résidence du président Moussa Dadis Camara. Là, des bérets rouges se sont mis à nous battre. Il aura fallu l'arrivée du ministre Tcheboro avec un contingent de 2 véhicules de gendarmes pour nous retirer de là et nous envoyer à leur bureau situé à la rentrée du camp. Je signale de passage que 2 de nos compagnons étaient restés en place de suite de la bastonnade. Ça, c'est au camp et à la devanture de la résidence du président Moussa Dadis Camara. Les gens ont été malmenés là-bas, copieusement par les bérets rouges, et certains sont restés. La brigade anti-drogue nous a accueillis également avec une bastonnade. Donc, quand le colonel et sa troupe sont venus les libérer des mains des bérets rouges, ils se croyaient heureux que la bastonnade allait cesser. Mais malheureusement, il dit qu'ils ont été accueillis également avec une bastonnade. Les gendarmes se sont alignés en 2 rangs pour nous accueillir avec des bastonnades, avec des coups. Au salon, nous avons été identifiés et déshabillés avant d'être dirigés dans le couloir où 2 gendarmes nous ont frappés violemment avant de nous incarcérer dans un violon. Durant les 2 jours de détention, nous avons été servis en eau à travers un robinet qui se trouvait dans notre toilette. Mais au 3e jour, malgré la chaleur, nous étions sans eau. J'ai demandé de l'eau à l'un des gendarmes en poste. Il nous l'a refusé en affirmant que nous étions là pour mourir. Il faut ajouter que toutes les fois que la garde était changée, les nouveaux nous frappaient sérieusement. Ils pouvaient nous bastonner jusqu'à 3 fois par jour. Avec la soif persistante, nous avons continué à demander de l'eau. Oui, Monsieur le Président, vous savez que même dans l'enfer, Dieu a dit que la plus grande souffrance dans l'enfer, c'est la soif et la faim. Malgré toutes les tortures, toutes les brûlures, quand ceux qui sont dans l'enfer ont faim et ont soif, ils réclament. Et Dieu leur donne, à travers ses anges, de l'eau chaude et des aliments pourris. Plus loin, il ajoute, « Je suis allé m'arrêter à côté du gendarme que nous avons croisé au dehors et qui repassait ses vêtements. Malheureusement, après le repassage, profitant de mon inattention, il a volontairement brûlé mon pied droit à l'aide du fer à repasser. » Aucune considération sur l'être humain. C'est avec cette plaie que j'ai rejoint la cellule. Entre-temps, le premier gendarme nous a apporté 6 bouteilles d'eau. Le même jour, à 18h, ils nous ont sortis pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré. Alors là, ils étaient dans la joie. On les a rasés le crâne et on les demande quel est votre leader préféré. Ils pensaient que c'était de la joie, c'était du jeu. Si tu réponds que c'est Dadis, on te frappe un peu. Le cas échéant, on te frappe à l'agonie. En répondant à une question du boule des juges d'instruction, M. Abdoulaye Diouma Diallo précise qu'il a été blessé au pied droit par le fer, à repasser, à la tête, au dos, même mordu à l'épaule droite. Les matraques ne suffisent pas. Il faut mordre encore les gens. Ça, c'est pour dire qu'ils boivent du sang. C'est ça la réalité. Parce que mordre quelqu'un, c'est avoir envie de son sang. C'est trop. Sur le PV d'audition de parti civil en date du 4 février 2013 de M. Sadou Barry, enseignant, chercheur, domicilié à Koloma à l'époque, celui-ci déclarait: une fois dans la rue, j'ai été arrêté par des militaires qui m'ont embarqué avec beaucoup d'autres personnes en destination du camp Alfaya pour, selon eux, être fusillé. Arrivé devant la maison du président Dadis au camp, nous avons été descendus et soumis à une bastonnade. L'un d'entre nous a reçu un coup de baïonnette et un autre a reçu un coup de coupe-coupe. Oui, Joseph Makambo était reconnu avec sa hache.
Certainement, c'est lui qui l'avait donné, ce coup de coupe-coupe. Ces militaires ont menacé de nous découper tous face au regard de 4 expatriés. Nous avons été transférés dans le bâtiment de Tcheburu. Là, nous avons été identifiés, déshabillés et battus par 2 fois par plusieurs gendarmes. Nous étions 73 encastrés dans une salle de 6 mètres sur 5. 73 encastrés. C'est un intellectuel qui vous parlait, enseignant-chercheur. Parmi nous, il y avait de nombreux blessés par toutes sortes d'armes. Nous sommes restés là jusqu'au lendemain sans manger ni boire. C'est aux environs de 11 heures que certaines personnes nous ont offert à boire. Lorsque nous avons voulu faire la prière de 17 heures, ces mêmes gendarmes dirigés par l'adjoint de Tcheburu, que je n'arrive pas à connaître jusqu'à présent, sont venus nous battre et nous proférer toutes sortes d'injures. C'est dans la même soirée que j'ai été remis en liberté grâce à l'intervention de mes enfants. Plus loin, sur interpellation rapide, il dit « Les gendarmes au nombre de 11 qui nous ont frappés au camp Alpha Yaya relèvent du service de Tcheburu. » Donc il y avait 11 gendarmes qui les ont frappés. Sur une question de son conseil, il répond qu'il y a eu des tortures abominables dans les bâtiments de Tcheburu et de Claude Pivi. Des tortures abominables. Lui, on ne lui a pas raconté, hein. Il a vécu les faits. Il a subi, Monsieur le Président. Sur le PV d'audition de parti civil en date du 14 octobre 2012, côte 1093 de Monsieur Ousmane Sidibé, ce dernier déclarait devant le pool. Mon groupe a été arrêté, frappé et embarqué dans un camion de la CMIS pour nous envoyer au camp Alpha et Adjalo. À peine on nous débarquait, le capitaine Tcheburu est arrivé en donnant l'ordre aux militaires et aux agents de nous frapper et de nous enfermer. Où j'ai fait personnellement 4 jours. Lorsqu'on a fini de manger le 4e jour, un militaire m'a chargé d'aller déposer le bol. Et c'est dans cette optique que j'ai profité pour prendre la tangente, alors qu'on disait dans ma famille que j'étais déjà mort. À l'audience du 24 octobre 2023, M. Mamadou Bobo Diallo déclarait devant ce tribunal qu'une fois au stade et après que les tirs aient commencé, nous avons essayé de sortir par 2 fois. C'est à la 3e fois que nous avons été arrêtés, frappés, et embarqué dans un camion en direction du camp Alpha Yaya. Nous étions dans 2 camions remplis qui ont été débarqués dans le service de Tcheburu. C'est là où on a été bastonné pendant 3 jours. Chaque jour, on recevait 3 fois des bastonnades. À 8h, à 13h et à 18h. J'ai subi des blessures. Après cela, nous avons été envoyés en ville au PM3 où nous avons été détenus pendant 4 jours. Sur le PV d'audition de parti civil côte 1232 du 5 février 2014, M. Alpha Amadou Baldé, marchand demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction. Lorsque les tirs ont commencé et après avoir été dépouillé de mes téléphones par un béret rouge, j'ai été arrêté, embarqué manu militari par les gendarmes et déposé avec d'autres au camp Alpha Yaya Diallo. Les militaires ont dit au président Dadis que nous sommes les ennemis du pouvoir. Lorsque j'ai soulevé ma tête, j'ai reçu un coup sec à l'œil droit. Aussitôt, je me suis évanoui. C'est dans ces circonstances qu'on m'a fait embarquer pour me déposer au service antidrogue chez Tcheburu, où nous avons été sérieusement tabassés à leur guise. Finalement, nous avons été tous identifiés et enfermés de nouveau. Quelques instants après, nous avons été rasés. La pompe qui nous donnait de l'eau a été coupée par eux. Pendant 3 jours, nous sommes restés sans boire ni manger.
Monsieur le Président, ce que j'avais dit auparavant, je ne l'ai pas inventé. Je tire ça d'ici, de ces déclarations, Monsieur le Président. Après 4 jours de détention à l'antidrogue au camp Alfaya, nous avons été escortés au PM3 où le traitement était soulageant par rapport au camp Alfaya. Complicité de coups et blessures volontaires par armes à feu et assassinat. Mamadou Aliou Diallo, né en 1982 à Lelouma, ménagier, résident à Lelouma, déclaré à la barre de ce tribunal, ce qui suit. Le 28 septembre 2009, arrivé à la Bellevue, nous avons trouvé des gendarmes de l'antidrogue. Les uns tirés, les autres détenaient des cailloux, des morceaux de bois avec des pointes. C'est là que j'ai reçu une balle sur la fesse gauche, après que 2 autres soient tombés par balle. Les jeunes m'ont aidé pour me déposer dans une clinique sise à Komandaya, où 2 autres blessés par balle étaient couchés. Un vieux qui avait son enfant blessé nous a pris pour nous déposer à l'hôpital de Donka. C'est là que les blessés du stade nous ont rejoints. Dans la nuit, les militaires sont venus détruire la pharmacie et frapper le pharmacien. Après cela, ils sont allés vers la morgue et on entendait leur bruit. Donc, Monsieur le Président, c'est pour vous dire qu'il a été complice de coups et blessures volontaires par armes à feu et assassinat. Complicité dans la coordination de l'attaque, Monsieur le Président. Dans ce dossier, tout est clair. Sur procès verbal d'audition de témoins en date du 5 avril 2011, côte 970, M. Ablaye Camara, frigoriste, chef de quartier de l'Andrea à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction ceci. Sur interpellation, réponse. Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Thieboro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. C'est lui qui le déclare, monsieur le président. Sur interpellation, réponse. Oui, effectivement, en ma présence, Thieboro avait donné l'ordre de lancer les gaz lacrymogènes. Et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer les gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux. Mamadou Aliou Keïta l'a relaté ici. Les pistolets étaient tombés en panne. Tentative.